Je me suis dit pourquoi mon frère aurait la médaille d'or et pas moi. J'ai choisi couvreur parce que dans ma famille, il y a mon frère qui fait la couverture, il y a mon oncle qui est couvreur et mon père est dans le bâtiment. Donc je me suis dit pourquoi pas être un homme du bâtiment. En fait, je veux protéger l'habitat des personnes. C'est ça qui m'importe, c'est protéger pour pas être, par exemple, sous la pluie, faire l'étanchéité la plus bonne possible. Donc j'ai choisi, c'est moi qui ai parti dans le choix de faire couvreur. Je suis plus manuel un peu, donc c'est pour ça que ça m'a orienté dans le métier du bâtiment. J'ai fait un stage de couverture, j'ai vu que ça me plaisait, donc après j'ai fait un peu de couverture avec mon frère, il m'a expliqué un peu comment ça marchait, donc après j'ai commencé ma première année. Après, j'ai fait ma deuxième année. Ça s'est très bien passé. Et puis, et bah, depuis, ça marche bien. Et le prof m'a dit qu'il n'y avait pas de souci pour faire le concours. Donc, je me suis donné un challenge de faire le concours MAF. Il y a trois niveaux d'évaluation au meilleur apprenti de France, au niveau départemental, régional et national. Il faut forcément avoir passé les deux étapes départementales, régionales et être médaille d'or régionale pour pouvoir passer au national. Le concours des meilleurs apprentis de France a été créé et est organisé par les meilleurs ouvriers de France. C'est les meilleurs ouvriers de France qui ont décidé un jour de dire on va valoriser nos jeunes, donc on va les mettre en avant. En fait, ils ont un sujet imposé. Alors, dans notre métier, ils ont trois possibilités, en zingri, en couverture ou en ornement de toiture. Vincent l'a choisi en couverture. Là, par contre, je leur donne les trois, libre choix à eux, parce que ça va leur manger une partie de leur année quand même. Hein. Parce que ça implique quand même que Vincent, il était là tous les mercredis après-midi. Ça implique qu'il venait en plus de son travail, ça implique tout ça, quoi. Donc, il l'a emmené chez lui pendant les vacances, etc. Et puis en plus, malgré tout, c'est un investissement de ma part aussi, parce que pendant les vacances, je le suis. Pendant les vacances, je réponds à son téléphone. Pendant les vacances, je suis dispo pour lui tout le temps. Et j'ai pas envie de m'investir pour rien non plus, quoi. Donc c'est évident que ce serait lui qui le ferait et pas un autre. La maquette, j'ai commencé en février, je l'ai terminée en octobre cette année-là. Ça fait à peu près 400 à 500 heures que j'ai travaillé dessus. Ça paraît petit, mais derrière, il y a beaucoup de travail. Bah, il y a Monsieur Chevreau, il m'a soutenu tout au long du MAF. Il a dit, il n'y a pas de problème, tu peux y arriver. Même si tu n'as pas la médaille, ce qui compte, c'est que tu t'es lancé un challenge, tu t'es donné du tien pour arriver à ce stade-là. Et puis, quand on lui a annoncé que j'étais un des meilleurs apprentis de France, bah, il a sauté de joie, quoi. Partie distincte, machin, que là ça fait. Les jumeaux s'entraident beaucoup et des fois je lui apprends des choses, des fois il m'apprend des choses, donc on s'entraide. Les vrais jumeaux, parce qu'on est des vrais jumeaux, donc les vrais jumeaux ils font parfois le même métier. Après j'ai monté ma propre entreprise avec mon frère et puis ça va s'agrandir. Kevin, ça fait 4 ans que je le connais et Vincent 3 ans. Donc non, alors la ténacité, ça c'est. Ils sont affolants et des travailleurs. C'est des bosseurs, honnêtement, j'ai jamais vu ça. J'en étais loin, 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 loin à leur âge de travailler autant. C'est vraiment des fous de travail. Des fous de travail. Ils font des trucs à l'école que même des profs de 25 ans ont jamais vu ça, quoi. Des fous de travail, tenaces à mort et passionnés. Ils ont tout ce qu'il faut pour réussir.